C'est un convoi humanitaire pour l'Éthiopie. Ils partent le soir à cause de la chaleur. On est encore loin de l'hôtel? Non, non, non. Nous sommes arrivés. Ici, rien n'est vraiment loin. C'est tout petit, Port Djema. Bonsoir. Bonsoir. J'ai réservé une chambre depuis Paris au nom de Feldman. Docteur Pierre Feldman? Oui, c'est ça. Pourriez-vous remplir une fiche et me donner votre passeport? Nous vous les rendrons lors de votre départ de l'hôtel. Passeport, si vous pouvez me le rendre tout à l'heure, ça serait mieux. C'est une mesure de sécurité présidentielle.
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parlez français. Do you speak English? J'ai un problème, ma douche marche pas. Je vais chercher quelqu'un d'être dans la chambre. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Comment c'est Port Djema en ce moment? Logique. Qu'est-ce qui est logique? Une ethnie contre une autre. On allume une petite guerre, personne ne s'en rend compte. D'ailleurs, tout le monde s'en fout. Le pardon, c'est ce que nous cherchons. Et toi, qu'est-ce que tu cherches? Rien.
De toute façon, je n'ai jamais cru aux parents. On ne se repent jamais. On finit toujours par recommencer. J'aurais dû faire comme toi, ne jamais partir. Jérôme Delbos, attaché d'ambassade. Je peux m'asseoir un instant? Je vous en prie. Je suis chargé par le gouvernement français de la sécurité de nos ressortissants. Votre passeport, docteur Feldman. Merci. Nous essayons de faciliter le séjour des citoyens français dans la République. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Vous n'êtes pas avec eux? Non. Vous ne les connaissez pas? Non, pourquoi je les connaîtrais? Je voyage à titre privé. Vous connaissez tous les diplomates, vous? Beaucoup d'entre eux, oui. Enfin, évitez le nord, docteur Feldman. Là-bas, des centaines de rebelles Assad encerclent les forces gouvernementales du président Sicaio. Nous, je veux dire la France, nous sommes très officiellement neutres. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Voilà ma carte au cas où. C'est très flou, un voyage à titre privé. Vous êtes de l'ambassade? Non. Excusez-moi. Je vous ai vu avec Delbos, j'ai cru... Ça n'a pas d'importance. Il est curieux, ce type Delbos. C'est pas ce qu'il pense. Il est neutre. Et qu'est-ce que vous faites à Port Djema? Ça bouge en ce moment. La chaleur. Je suis là pour la chaleur. Excusez-moi. Comment tu connais le lagon? Un ami m'en a parlé. Ah, c'est bas, il n'y a pas beaucoup d'Européens. La nuit, c'est un quartier Assad. Tu veux aller sur le plateau? Je pose beaucoup de questions. Thank you.
Vous avez un coca? Il n'est pas très frais, la glacière est tombante. Ça ne fait rien. Je voudrais parler à Aline Marais. Vous le connaissez? Nous avons un ami commun. Comment s'appelle votre ami? Antoine Barras. Pas là ce soir, mais demain peut-être. Vous pouvez lui dire qu'il peut me joindre à l'hôtel La Caravelle. Je m'appelle Pierre Feldman. Pierre Feldman. Je lui dirai. Combien je vous dois? Rien. Je suis le dernier médecin à être resté en territoire rebelle. Aujourd'hui, je suis seul avec une franciscaine. Je m'arrange. Mais pour combien de temps? Il faudra bien qu'il se débarrasse de moi. Tout ira peut-être mieux ainsi. Pierre, tu veux faire quelque chose pour moi? Je ferai ce que tu veux. Tu ne crois pas que tu devrais rentrer maintenant? Tu connais l'histoire du marchand de Samarcande? Non. J'ai pas vu rentrer à l'hôtel, je suis allé te chercher. Tu vois, je suis ici. Je te l'ai déjà dit. En ce moment, à Sébas, c'est dangereux de se promener seul la nuit. C'est pas exactement ce que tu m'as dit. Tu as décidé d'être mon ange gardien. Il n'y a pas d'ange ici. Ce sont des tombes. Des jeunes ont été tués, il y a 4 jours. L'homme en blanc, là. C'est l'Imalige. C'est là, mais là, mets-toi là.
C'est un député, très populaire ici. Il défend les Assad. Les FPS, viens, faut partir. Qu'est-ce que c'est, les FPS? Les forces de police spéciales, ce sont eux qui ont tiré dans la foule. Ce sont des Massan, le clan du président. Viens, faut pas rester ici. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Monte, dépêche-toi. Il t'a parlé en arabe parce qu'il te méprise. Il a dit que Mitterrand était un traître. Pourquoi? En ce moment, les Français aident la guérilla. Et alors? C'est un petit port. Les bateaux partent de là pour aller sur le plateau. C'est dangereux, mais on peut y arriver. La 14. Merci. Je pars demain. 5h30. Pourquoi est-ce que tu tiens à m'aider? Tu es médecin. Ils en ont besoin là-bas. Tu sais aussi que je suis médecin. Je l'ai déjà dit. C'est tout petit, Port Djema. D'abord aller chercher de l'essence. On n'a pas l'impression qu'il y ait la guerre. Elle est partout. Tu ne la vois pas, tu n'es pas d'ici. Les soldats viennent de passer. Ils ont pris toute l'essence.
Il veut bien m'accompagner à un autre village, là-bas je pourrai en trouver. Il est loin ce village ? Non. Non, mais tu ne peux pas m'accompagner. Tu es sûr que tu vas revenir ? Tu n'as pas confiance ? Si. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Je te dépose au café. Vous parlez français? Do you have cigarettes? Cigarettes. Vous êtes venu photographier des palmiers? Leurs ombres seulement. Ici, les palmiers ont des ombres. Parce que ailleurs, les palmiers n'ont pas d'ombre. Ce n'est pas la même chose. Vous avez déjà vu l'ombre des palmiers de la Côte d'Azur? Je ne m'en souviens pas. C'est pour ça qu'ils sont tristes. Ils ont perdu leurs ombres. Qu'est-ce que vous faites là? J'attends un taxi. Ici? J'ai rendez-vous au café. Vous allez où? À Ismara. De là, je compte aller au dispensaire de Moksoum, c'est sur le plateau. Vous êtes médecin? Oui, chirurgien. Ça fait longtemps que les Européens ne vont plus sur ce plateau. C'est eux. Et vous, c'est vous? Partagez votre taxi avec moi. Vous allez à Ismara? Oui.
Pourquoi vous voulez aller à ce dispensaire? Pour un ami. Vous allez rejoindre un ami? Son nom. Tirer sur les Européens. Pas une troupe d'élite. Ils ont plus peur que nous. Faut pas faire ça avec les FPS. Mais comment tu les reconnais, les FPS? Le bleu. Ils ont un uniforme bleu. Voyage ensemble. Mademoiselle, nous procédons à l'évacuation des ressortissants français. Je suis suisse. À vos risques et périls. Est-ce que vous savez ce qu'elle est venue faire ici? Vous la connaissez? Non. Faire des photographies. Il n'y a pas assez de lumière. Je dois partir. Est-ce que je peux vous parler, docteur? Pas un peu. Vous allez remplacer Antoine Barras? À peu près, oui. C'est plus pareil sur le plateau, c'est une vraie guerre. Ça veut dire quoi, à peu près? Que je vais remplacer Antoine Barras, comme vous défendez les intérêts français à Port Djema, à peu près. Vous pensez que je suis une personne trouble? Je pourrais vous empêcher de monter sur le plateau, vous savez. Enfin, vous pouvez y aller, ça ne changera rien. Ça restera un tas de merde qui n'intéresse personne. Il est à Port Djema depuis longtemps. Il sait beaucoup de choses. Les chefs passent par lui pour se parler. Pour se faire la guerre aussi. Vous allez dire. Oh Dieu. Il demande si tu es médecin. Il y a un blessé chez eux.
Vas-y. Goût à bien là. Absolument. Attends-moi là. Rejoins au port et t'accompagnons. He's a fighter. He was wounded in the arm. I'm the chemist in town. Ils ne veulent pas traverser la passe cette nuit. Le garde-côte patrouille. Hier, un marin a été tué. Demain, retourne au port. Si un bateau part, ils te prendront. Pourquoi tu fais tout ça? Après tout, ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que t'en sais? Si tu n'appartiens pas à un clan, ici tu n'es rien. J'ai choisi le mien, mais il est en moi. Et en moi seul. Toi maintenant qui poses beaucoup de questions. Vous étiez où? Je retirais une balle. Vous êtes vraiment médecin alors? Vous n'en étiez pas sûr. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils disent être. Offrez-moi une cigarette. Mmh.
faites pas confiance aux gens. Il faut parfois se méfier. Et vous? Et moi? Quoi? Vous ne m'avez presque rien dit sur vous. Pas même votre prénom. Vous ne l'avez pas demandé, Alice. Vous êtes vraiment photographe, Alain? Oui. Pas forcément comme vous croyez. Je ne crois rien. Pour le dispensaire, comment vous allez faire? Je ne sais pas, mais je me débrouillerai. Demain, un bateau m'attend sur la plage. Si vous voulez, on le partage comme le taxi. Je croyais que les Européens n'allaient plus sur ce plateau. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Vous connaissez l'histoire du marchand de Samarcande? Racontez-la moi. Un marchand va à Samarcande pour vendre du tissu. Là, il fait d'excellentes affaires. Et au moment de s'endormir, une femme frappe à sa porte. Elle est très belle, très attirante. Elle ressemble à la mort. Il a peur. Il saute par la fenêtre, il s'enfuit. Il met 3 jours pour rentrer chez lui. Dans son jardin, la nuit, il repense à cette femme si attirante. Mais elle réapparaît. Alors il sait qu'il va mourir. Il lui pose cette question. Que me voulais-tu à Samarcande? Elle lui répond. Te donner rendez-vous. Ici, chez toi, dans ton jardin, dans 3 jours. Elle lui tend la main, il meurt. Voilà. Ce marchand est idiot. Pourquoi? Comme ça. Il fallait pas s'enfuir de Samarcande. Il aurait su, il ne serait pas rentré chez lui. Vous pensez que c'est si simple? Sûrement. Le dispensaire est tout prêt. Et vous? Bon, moi, je continue. Vous passerez au dispensaire? Je sais pas. Ils s'attendent pas à votre arrivée, c'est inespéré pour eux. Bonjour. Je suis un ami
d'Antoine Barras. Je cherche Sœur Marie-Françoise. Est-ce qu'elle est encore là? Elle devrait rentrer ce soir. On n'a pas été prévenu de votre arrivée. C'était pas prévu. Est-ce qu'il y a encore un médecin dans ce dispensaire? Non. Il y a les sœurs et moi. C'est tout. Quand la nuit est douce, c'est le meilleur endroit. Il y a de l'air. Pourquoi êtes-vous venu ici? Vous n'avez apporté aucun matériel? Je suis un ami d'Antoine. Il n'avait plus beaucoup d'amis. Un, en tout cas. Il m'avait demandé quelque chose au cas où il disparaîtrait. Il voulait que je vienne ici m'occuper d'un enfant auquel il s'était attaché. Vous avez parlé des enfants. De vous aussi. Du dispensaire. Je sais que vous avez été institutrice au Liban. Comment s'appelle-t-il cet enfant? Driss. J'ai une photo. Cet enfant n'est jamais venu ici. Vraiment? Passez-moi la lampe de poche, s'il vous plaît. Merci. Venez avec moi. C'est là qu'avec Antoine, on recueillait les enfants. À la mort d'Antoine, les FPS m'ont donné une semaine pour les évacuer. Je ne les ai pas écoutés. Un soir, j'ai été réveillée par des hurlements. Il y avait des jeeps dans la cour. Avec Idrissa, nous sommes tout de suite venus ici. Ils avaient regroupé les enfants devant la porte et les regardaient en buvant de l'alcool. Un des soldats s'est approché d'eux et les a menacés de son revolver. Je n'oublierai jamais. Il est resté comme ça pendant 10 minutes. Une éternité. Puis ils sont partis. Le lendemain, les casques bleus nous évacuaient à Port Djema. Et votre enfant se trouve peut-être là-bas. Antoine était devenu un mythe chez les Assad. Tant qu'il était là, rien ne pouvait nous arriver.
C'est pour ça qu'on l'a tué. Vous prenez des risques pour ce dispensaire. Il s'arrangeait. Il n'en parlait pas. Ici, nous gênions tout le monde. Nous sommes en territoire interdit, en Terre Assad. Vous n'êtes venu ici que pour cet enfant? Oui. J'imagine que vous n'allez pas rester. Je ne suis pas venu pour rester. Et puis, j'ai mon service à l'hôpital à Paris. Il va falloir que vous repartiez très tôt demain. Idrissa vous l'a dit, il n'y a aucun médecin dans cette région. Les malades vont venir ici avec leur famille. Eux, vous ne pourrez pas les décevoir. Je suis désolé. Et si ça ne sert à rien d'être désolé? Docteur, après vous ne pourrez plus partir. Réelle, docteur. Docteur, réelle. Réelle, docteur. Cet enfant doit être réhydraté d'urgence. Nous nous occuperons de cet enfant. Dépêchez-vous maintenant. Thank you.
Doctor. Doctor. Qu'est-ce que vous voulez? The Liberation Front has ordered us to leave the town now during the shooting. So please, let's go. Sorry? But the meaning of these blue crosses everywhere in the town? The soldiers put these signs to identify the Assad houses. Let's go. Come on, let's go. Thank you.
بس كده سرعين كلهم بس سرعين Qu'est-ce que tu fais ici avec eux? Ils sont des bandits, des voleurs. Je suis médecin. On n'a vraiment pas besoin de gens comme toi ici. As-tu des papiers? Donne-moi ta montre. M'appartient. Sans papier, tu n'es plus rien ici. Oh. Donne-moi ta montre, docteur. Si vous lui foutez la paix. Donne-la-moi. Up there, and in 10 minutes, you'll be in the center of the town. And you? Where are you going now? I'm going to Asaba with the others.
Goodbye. And good luck. They will try to pass the border line. Let's go to bed. I'm sorry. I'm gonna go to the hospital.
Bonsoir. Bonsoir. Je vais reprendre une chambre. Vous voulez la même chambre? Oui. Vous avez votre passeport? Le vieux qui est arrivé hier avec sa septicémie va crever. Et je n'ai que 2 ampoules d'antibiotiques. Même pas de quoi faire tomber la fièvre. Je les garde pour un autre, moins atteint. Il faut faire un choix. Je ne m'y habituerai jamais. Juillet 1991, dispensaire. Je pars ce matin pour Ismara. Rendez-vous avec Delbos au Grand Hôtel. Mauvais pressentiment. Pas question de renoncer. Poursuivre une chimère. Nos missions sont parfois sinistres et hypocrites. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir le 463-125, s'il vous plaît? Chambre 14. Merci. J'ai entendu dire que vous avez fait un voyage mouvementé. Vous avez entendu dire? C'est un peu mon métier, vous savez, savoir des choses. Je vous avais prévenu, Port Djema n'est pas vraiment l'endroit idéal pour... Comment dire? Pour ce que vous appelez un voyage à titre privé. Vous appelez ça comment? Tourisme existentiel. Le secrétariat de la présidence m'a appelé à votre sujet ce matin. Votre petite balade n'a pas beaucoup plu. Vous allez être expulsé du territoire. Il y a un avion ce soir pour Paris. Je vous invite vivement à le prendre. Vous aviez rendez-vous le 5 juillet avec Antoine Barras.
Deux jours après, on apprend sa mort. L'hélicoptère de la sécurité militaire. Les mosquées, ce sont les mosquées qui parlent ici. Il va y avoir des émeutes ce soir. Qu'est-ce qui vous a parlé de ce rendez-vous? Antoine. Nous étions des amis très proches. Très éloignés, mais très proches. C'est pour cette raison que vous désiriez me voir? À votre avis? À mon avis. Retournez à vos malades, docteur Feldman. Retournez-y vite. Je vous offre le café. Je vous raccompagne à votre hôtel. À moins que vous préfériez marcher. Je préfère marcher. Je ne voulais vraiment pas que je vous raccompagne. Il fait très chaud, vous savez. Avec les événements, nous avons conseillé à nos ressortissants de rester chez eux. Je vous ai déjà dit que je préférais marcher. Alors je vais faire quelques pas avec vous. Vous allez avoir très chaud. J'ai une certaine habitude. Vous savez, il y a deux façons d'être neutre. La première consiste à n'être avec personne, la seconde à être des deux côtés. Ici, nous avons choisi la seconde. Nous sommes doubles, si vous préférez. Le jour, nous soutenons Sicaio, la nuit, nous nous arrangeons avec la rébellion. Nous voulons les obliger à se respecter démocratiquement. À Paris, on appelle ça l'application du discours de la Baule. Antoine, il était passé de l'autre côté, du côté de la rébellion. Nous lui fournissions les médicaments et le matériel dont il avait besoin pour son dispensaire. Quand il le fallait, un bateau chargé de ravitailler la Somalie en dons humanitaires s'arrêtait en radis marin. Là, une partie de la cargaison passait d'un bord à l'autre, ni vu ni connu. C'est sur la terrasse du Grand Hôtel que nous attendions le signal. Ensuite, nous allions manger des poissons grillés. Vous avez goûté les poissons grillés à Ismarin? Non, j'ai pas eu le temps. Dommage, ils sont excellents. Le 5 juillet, nous avions convenu d'un rendez-vous.
Tué. Je ne sais pas. Un lâche sûrement, dans le dos. Je retrouverai cet homme, question d'honneur. Pourquoi m'avez-vous raconté tout ça? Une faiblesse peut-être, un état d'âme. Ne ratez pas votre avion, docteur Feldman, ne le ratez surtout pas. De votre photo n'est jamais passé par notre congrégation. Je ne peux rien faire pour vous. Moksoum, dispensaire. 3 juillet 91. 1h du matin. Je n'arrive pas à dormir. J'ai peur de l'aube. À Ismara, j'appellerai Alice. Il faut qu'elle vienne photographier les palmiers de Salem. J'aimais quand elle était près de moi. Bonsoir. Bonsoir. Connaissez cet enfant? C'est une photo que j'ai faite dans la rue il y a 2 ans. À Addis Abeba. Je le cherche. Antoine le connaissait? Non. Il aimait bien cette photo. Je lui donnais.